Salut tout le monde, c'était Up78, on se retrouve pour un nouveau Mondi. Et cette fois-ci avec du bon monde, puisqu'on a qui? On a L'Arctic, on a Flo, on a Valet, on a Jumpy, on a Sriloka qui est Mizuka, on a Magic7 et on a Braze. Et on va partir sur une petite map en 100cc. Alors, 100cc, ouais. Ah oui, c'est, j'ai voté. Mario 3. Alors, comme vous voyez, je joue en Bowser, c'est parce que tout simplement j'avais envie de changer un petit peu de Luigi, puisque la plupart de mes vidéos, la plupart de mon dit que je vous montre, c'est en Waluigi. Cette fois-ci, j'ai envie de vous proposer un petit en Bowser, donc j'espère que ça va vous plaire. Mais après, moi, j'ai envie de changer un petit peu j'ai envie de faire autre chose de... Enfin, vous voyez où je veux en venir. Donc là, on est pile la map que je voulais, donc... Le Mario Circuit Super numéro 3, on est parti. Alors donc, on commence avec un petit verre, donc pas de souci. Pour l'instant, ça joue tranquillement. Flo et Braze jouent tranquille. Et là, je vois Flo qui se fait massacrer, mais malheureusement le pauvre. Ah, c'est pas vrai, ok. C'est qu'un mauvais début. Jumpy, moi aussi, me fait des siennes, donc... Je vais pas vraiment me plaindre, ah, je pourrais rien faire. Et ouais, le zap qui clôt sur moi, je pouvais rien faire. Ok. Ce n'est que le début de la map. On va pas s'énerver tout de suite. Qu'est-ce qu'on a comme item? On a un petit bill avec des dépassements et l'article, je vais rien te faire, ne t'en fais pas pour ça. Je vais attendre que ça combine à l'item, comme ça je vais pas hésiter à spammer mon bill. Ouais, l'article, je pense qu'il a un choc, donc là je vais spammer tout de suite et que t'as un choc pour moi. Non, ça m'étonnerait, mais s'il y a un petit choc qui tomberait, ça pourrait m'intéresser. Non. Oh, ok, d'accord. Pile après le choc qui tombe. C'est pas grave. Au moins il est tombé. C'est déjà quelque chose. Un petit troisième tour. Si on a devant, on a Valet et Jumpy. Un petit item, qu'est-ce qu'on a comme item? Ah. Un petit champi. Va pas me servir. Ah super, j'ai pu m'en débarrasser. Non, ok. Oui. Non. Oh non. Oh non. Ok. Bon bah voilà, bah je vais commencer cette vidéo avec une dernière place. Hein, donc c'est super. Et vraiment, pourquoi continuer alors que je suis fichu car je suis entièrement fichu. Donc voilà, on a 178 points, ça fait plaisir. Donc vous voyez tout ce monde, la Matt, Jumpy, qui son nom d'a Love Valley, Mizuka, je pense, je devrais peut-être lui demander. Mais réellement, on commence vraiment bien cette vidéo. Et on part sur un jungle DK en 150cc, donc voilà. Ah, on va commencer, très bien. C'est parti. Okay, donc ça commence un peu brutal, l'aspi, attends, ok, une deuxième aspi, oh là là, comment c'est horrible, comment ça devient agressif là, mais ok, là on est bien parti sur cette map, comme vous voyez, je me fais gaffe à Valet, puisque, je sais pas, je la connais, elle n'hésiterait pas, donc Braze à 3 rouges, je le connais, il me fera rien du tout, enfin je vais pas trop crier victoire. Le moins protégé, on sait jamais. Ah bah tiens, voilà. Je viens à peine de vous le dire, il perd déjà sa roue. Je perds déjà ma verte. Oh là, ok. C'est une erreur de ma part, pas de soucis. Ok, là ça va pas du tout. Je vais prendre un petit item. Si je peux en avoir un. Ok, très bien. Est-ce qu'on a comme une étoile? Ok. Ah putain, j'ai obligé de l'utiliser en fait. Hop, excuse-moi Mizuka, je voulais pas... Je voulais pas te faire ça. Ah, qu'est-ce que je voulais... Je pensais que... Je me disais, Julien, que Valet allait me faire une vacherie. Je vous disais, voilà. Donc. Ok, le canon. Je pense vraiment que c'est... Que c'est Mizuka. Attends, oh là 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 là. Bon, hop. Heureusement que j'avais le doré. Comme ça, ça m'a permis aussi de revenir très rapide, de reprendre très rapidement et regarder ça comment... Ah bah, non. J'ai rien dit en fait, puisque je viens de perdre mon doré avec le choc.
Oh non, ok. Ok. Il y en a qui... Ouais, voilà, ça c'est pour Jumpy. C'est cadeau. Donc QM avec son bill. Ah, c'est bon, tout va bien. Allez, dernier tour, on va essayer de se ressaisir. Est-ce qu'on a comme item? On a un doré. Bon, je vais le spammer tout de suite, comme ça je peux très vite avoir un item pour revenir. Ah, ok, allez, reviens, reviens. Allez, l'item, qu'est-ce qu'on a comme item? Un item, qu'est-ce qu'on a? Une étoile. Okay, le choc, c'est pas tout de suite. Pff, la banane, ça passe. Hop, là maintenant. J'espère que qu'il y a un petit choc qui tombe, ça sera bien. Oh, merci, super. Boum. Et moi... Ah, la bleue qui tombe, est-ce que je vais finir premier? Je vais finir premier. Oh, oui. Oh là 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 là. Ah, c'est magnifique cette victoire. Magnifique victoire. Magnifique victoire. Franchement, je me félicite. C'était magnifique. Franchement, j'avais un mauvais début en finissant au dernier. Et là, regardez ça, cette première place. Franchement, je la mérite vraiment bien. Et j'avais très bien joué. Donc là, c'est super. Allez, j'espère que ça va être comme ça pour la suite. Donc on est parti cette fois-ci pour un petit Usine Todd en 150, donc là c'est super. Donc là on est bien puisque c'est une map que j'apprécie, surtout en 150. Comme ça tu peux faire plein de choses, et il y a aussi le Catch Roomless que tu peux faire, enfin si t'es un ouf, puisque après c'est dans le cas contraire, ne prends pas, vaut mieux pas prendre de risques. Mais bon, en 150 CC, ça fait toujours plaisir en fait. Donc là on part tranquillement premier sur cette map. On fait pas de bêtises, on reste tranquille. Ah oui, c'est vrai, il y a Valet derrière. Et enfin, non, ça c'est Jumpy. Et lui, il a un assez bon niveau. Ok, je rate le boost. Ok, ça c'était pas cool, je sais pas qui c'était. C'était... Ce fait que je me suis pris dans la gueule, c'était vraiment pas cool, mais bon, on va revenir. Ok, j'ai Brest qui est en doré. On s'éloigne, on sait jamais. Allez, on va revenir, on va attraper tout le monde. Attention au bide de Brest. Ok, Brest dodge son choc, j'ai déjà lui. Ok, c'est qui? Ok, Jumpy, ah, j'arrive plus. C'est Valet qui me prend mon item. Et je me prends les vertes de QM. Puisque comme il n'avançait pas. Qu'est-ce qu'on a comme item? On a un petit doré, donc là c'est pas mal. Là, regardez ça, comment c'est bien. Enfin, je l'ai peut-être utilisé un petit peu trop, mais moi je m'en fous puisque c'est l'un de mes items préférés. Et dans certaines situations, comment tu remontes, mais tu vas pas mais bon, voilà. Là, on va l'utiliser, on va bien l'utiliser. Oh, ok. Matt qui active méchamment son étoile sur moi, donc ça c'était vraiment pas sympa de sa part. Est-ce qu'on a un item? On a un billet. Attends, je vais attendre les derniers items pour l'envoyer maintenant. Est-ce que un nouveau choc va tomber? C'est que ça va me faire comme la course de... Ah oui! Et on va finir quatrième, messieurs dames, quatrième! J'ai pas mal de chance, là j'ai de la chance, mais un petit point. Mais franchement, j'ai de la chance. Beaucoup de gens me le disent, mais là franchement, wow. J'ai un jambe dédicat, en plus j'avais combiné avec un doré, mais là ça fait que commencer là la spéciale chance. Après c'est ma chance. Certaines personnes peuvent comprendre, d'autres pas. Bon, en avant pour la suite. Allez, on y va pour un stade Waluigi en 150 CC. Donc hommage à Django puisque pour lui c'est l'une des maps préférées. Et Django, pourquoi Django? Puisque c'est un mec avec qui je joue très souvent et des fois c'est très sympa de jouer avec lui. Même si bon. Ah ok. On commence très bien avec cette rouge de ce A. Et je sais pas si je pense que c'est Alex Italien, je sais plus. Si quelqu'un me le dit dans les commentaires, bah, je lui dis merci pour. Enfin je lui dirai merci pour celui qui me le confirmera en commentaire si c'est lui ou pas. Est-ce qu'on a, un champi? Est-ce que je peux faire le truc? Ok, non. Je me suis jeté au mauvais endroit
Débord. Allez, qu'est-ce qu'on a comme item? On a 3 bananes, donc ça c'est pas utile, surtout quand t'es 4. Mais bon, je vais essayer d'handicaper les autres. Personne. Ah bah si, il y en a qui s'est débouffé, je sais pas qui c'était. Ah mince, ok. Ok, on a un petit trou, je vais m'en débarrasser puisqu'elle me sert pas du tout. Je crois que je vais la lancer sur là, puisque franchement ça rouge au départ, c'était vraiment pas cool, pas super. Comme ça, là elle sera obligée de se la prendre et comme ça on est quitte. Comme ça il n'y a pas de jaloux. Ok, un petit shroom, je vais faire le petit cut du petit virage. Ah non mince, j'ai un petit bug de télé, donc ah non. Bon écoutez, si vous voyez faire n'importe quoi sur cette map, vous allez comprendre. C'est dû à un petit bug de télé. Bon, de toute façon, ça va revenir très vite. Oh, ok. Ah là, ça c'est fait, comme ça on est quitte. Ok, encore un choc qui tombe. Franchement, ça se spamme, mais... ça se spamme bien. Parce qu'on a une petite bombe. Ça me sert pas, puisque comme il y a des gens que je connaisse et j'ai pas envie de jouer comme un connard avec eux. Enfin, il y a quoi comme d'arme où je suis vraiment... Ah mince. Il y a vraiment comme d'arme, puisque je suis sans pitié, puisque après c'est... Après c'est ça le calm down. Wow. Ok, on va finir 5e. Ah, 4e. Est-ce qu'on va finir 4e? Est-ce qu'on a comme item? Un petit zap. Quatrième, ok. Pas de soucis, moi ça m'arrange. Bon, donc je vais attendre que les autres finissent. Ah bah c'est fini. Alors voyons voir. Et franchement, il y a aussi du bon niveau de la de notre part de nous. Puisque il y a Jumpy qui joue très bien, il y a Flo aussi, Matt G7 aussi. Il y en a qui ont vraiment pas de chance. Mais bon, après c'est comme ça. Bon. Course suivante. Et ce sera un BC64 en 150. Donc là c'est le top. Et comme il y a toujours ces mêmes joueurs, et franchement, avec le monde qu'il y a, le Mondi devient ce Mondi devient un petit régal. Après, contrairement à certains joueurs, mais bon, moi je m'en fous, moi je. Même Kawi, je joue pour le fun. Et les bons Mondi, le Mondi avec avec des bonnes personnes et du bon level. Croyez-moi, je vous le dis, c'est un régal. Donc, bref, passons à la map avec Jumpy qui se fait toucher par sa copine. Donc là, il y a un petit top de italien, je pense. Ok. Le A qui me met cette banane dans la tronche, normal. On se gêne pas. Donc là, on va passer 7e. Allez, on va prendre un item. Ici. Parce qu'on a, on a un petit duré, donc là c'est parfait. Donc je vais attendre la ligne droite. Donc voilà, ici par exemple. Pour attention, ah voilà c'est bon. Comme ça. Et le match essaie, désolé je vais te dépasser mon pote. Voilà comme ça. Donc là on est parti premier tranquillement, enfin plus pour longtemps. Parce qu'avec ça, avec son arme, sa harmonie, il run bien là, à ce que je vois. Qu'est-ce qu'on a comme item? On a une petite verre, mince, oh, ok, pas grave. J'ai envie de sniper bizarrement, puisque après, voilà comme on dit, I am a sniper. Ah, mais il a dodge, GG. Donc là, il va être parti. Ça descend pas. Ok, je vais passer de l'autre côté, puisque je pense qu'il va lock le cut. Ah bah non, il s'est raté. Il est snipé. T'inquiète mon pote. Okay. Bon, je voulais lui prendre la spi, ça a raté. Donc là c'est le troisième tour, on est parti. Matt et moi on est parti avec une petite bataille, donc de toute façon c'est pas méchant. Ah non, non, ah mince, ok. Là ça m'a gâché un petit peu le. Attendez, le petit shroom. Ah ok, je l'ai raté. Bon bah Matt il est parti.
Donc, allez. Bon, espérons qu'il n'y ait pas de boue pour lui, qu'il, enfin, ou qu'il n'y ait pas de target shock. Bon, je vais faire le petit truc du bord, si je réussis à atteindre. Ah, la bleue. Ok. Donc, restons. Matt, il mérite la première place, donc c'est pour ça que je vais le laisser passer. Tu me remercies en commentaire, ça me peut... Tu pourras me remercier, enfin, tu pourras me... Enfin, j'arrive pas à dire ce que je veux dire, excusez-moi. Donc, voilà. Là, cette map, c'était un petit régal avec cette petite bataille en front run avec Matt. Mais bon. Voyons, franchement, les points sont assez bien répartis. Comme vous voyez, les points sont assez bien répartis. Après, je me raconte pas parce que j'ai fait plus de 100 points. Après, après, faut avoir du run après pour faire des bons, pour faire les bonnes choses. Après, je dis ça comme ça. Maintenant, c'est parti pour un petit mini Wario en 150cc. Ah bah, ça commence déjà, ok, pas de soucis. Matt tire à son départ. On va essayer de partir devant, ça serait bien. Ok, un petit zap derrière. On va essayer de ne pas se le prendre, ce serait bien. Donc là... Cette fois-ci je suis je vais peut-être partir en front run avec avec Jumpy comme c'est un mec qui est super fort quand même et la petite dédicace et un petit salut à Jumpy surtout après voilà. Donc là vous voyez sur la minimap on est bien parti Jumpy et moi. Donc, de toute façon, comme le mec il fait du run, donc moi je vais j'ai cette petite rouge, je ne vais pas lui lancer, il ne mérite pas. Ok, j'ai une idée qui s'est pris un item, je sais même plus qu'est-ce que c'était. Mais bon, au CF. Ah, une petite bleue. Là, le pauvre. Ok, et on va terminer le troisième tour. Okay, c'est Brass qui est derrière. Honnêtement, si j'ai Jumpy qui est derrière, moi je le laisse passer puisque il mérite amplement cette victoire. Et comme c'est un très très bon runner, honnêtement, ce serait méchant de ma part en fait de gagner, comme de prendre cette victoire alors que je la mérite à moitié. Enfin, ça va dépendre s'il est deuxième ou pas. Alors, attendez. C'est Jumpy qui est derrière. Ok, non, c'est Braise. Ouais, je vais finir à premier. La petite rouge de Braise, ça fait plaisir. Donc c'est pas... Et comme c'est la fin de cette course, moi, je m'en fous totalement. Alors, les places... Wow, oui. Par contre, le pauvre Jumpy, il a pris cher. Ouais, voyons voir. Et le pauvre Flo, lui, il a pris encore plus cher que... Il a pris encore plus cher. Donc, là, on va tamer une prochaine map avec deux joueurs et on va voir qu'est-ce que ça va être. Allez, et ce sera donc un petit BC oui, donc ça fait toujours plaisir. Et en miroir, cette fois-ci, donc ça sera un petit peu... Ça va peut-être être un petit peu plus chaud, mais bon, on va voir ça tout de suite. Par contre, je vais garder ma verte au cul, on sait jamais. Donc Jumpy ou moi on a envoyé Valet dans le mur. Ok, on a pris la flamme, c'est pas grave. On a un petit pot. Ah ok, il y a la présence d'Exodie dans ce monde, donc salut à toi mon pote. Je l'utilise tout de suite, ok, Mizuka m'a pris mon item. Ah, il est en plus, voilà, c'est bon. Là, je vais être tranquille. Allez, là, franchement, ça va devenir chaud, comme Exodie a un assez bon run. Bon. Voilà, on a un petit méga, je vais attendre
Je vais attendre le son en fait, puisque j'ai une chance sur... Ah ok. Je pense... En fait, là, Exodia a été plus malin que moi, et a donc... c'est donc saison plus qui a dodge le choc. Ok, la bombe de Mizuka. Ok, je me la suis prise. Ah bah c'est prise aussi. Ah non. Wow. Qu'est-ce qu'on a comme item? 3 rouges. Et là ça me réussit pas, donc ça va pas aller. Je pense qu'on a, on a une étoile, on va, je vais attendre pour combiner, attention, jump, Valet, attends, ah c'est Valet, ok. On va faire gaffe à elle. Oh, excuse, désolé. Alors je ne voulais pas te faire ça, je ne t'avais pas vu. Wow, 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 wow. Troisième tour. Kakashi, moi je m'en débarrasse. Oh non mince. Ah 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 merde. Ok, je me suis fail. Ok, on va se ressaisir. Cette fois-ci on va bien utiliser l'étoile. Allez, go choc. Ok, il n'y aura pas de choc. Là il est tombé. Il manque encore un dernier champ d'item pour avoir une chance de finir en une, au moins une bonne position. Premier, c'est sûr, je finirai pas. Qu'est-ce qu'on a? On a un méga. Wow. Là, Akam, je vais Akan, je vais. Ah c'est bon, voilà. Ok, on finira 5. Donc là le niveau est encore plus élevé, il y a, franchement il y a. Après après là il y a des, ça devient de plus en plus chaud, le flow il a pris super cher et franchement ça verte au niveau du après chose à la tuer en fait. Après regardez ce petit top 11, top 5 ou je sais plus quoi, le niveau devient franchement, il y a du vraiment du bon niveau et j'espère que ça va continuer, ça va être comme ça à la prochaine. Donc on va faire un nouveau TF, mais cette fois-ci en miroir, puisque précédemment j'avais fait en 150, donc là ça va être parti, ça va être en miroir. Donc un petit shroom. D'accord, je fais gaffe à Khan, non, ok. Les trois bananes. Un zap et une étoile qui arrive d'affilée, franchement, vaut mieux se mettre à l'écart. On ne sait jamais. Comme flou avec ton étoile. Ah non, c'est bon. Et le doré. Attends, Braise ne me touchera pas avec son zap, comme je vous disais. Ok, deuxième tour. Alors... Au cul de QM. C'était Valet. Un petit shroom. On s'en débarrasse. Toi, tu dégages. Et voilà, toi, tu dégages. Donc, les deux premiers qui sont partis, si je me trompe pas, je pense que c'est Exodi et Jumpy. Allez, le troisième tour, essayons de maintenir cette troisième place, ce serait une bonne chose encore. Allez, allez. Le pot. Oh, ok. Le pot, le choc combiné avec le pot. Ah, il y a Jumpy. Donc je finirai bel et bien troisième hein, et Exodi a fini tranquillement sa map. Voilà. Je vais attendre que les autres terminent. Ok, donc les deux derniers se font une petite danse, je pense.
comme ils sont alors au niveau qu'ils sont, ils ont déjà dû passer les derniers items et se faire démonter. Donc après, ils ont préféré pas essayer de terminer. Ils ont su que c'était fini pour eux. Donc c'était Floyd Jump et Valet qui ont fini. Ils sont les deux derniers. Donc voilà. Allez, on va en faire encore une ou deux. Après, on va arrêter tout ça. Allez, en avant pour un nouveau Win Wario et encore 150 CC. Il y avait que Zetron qui nous a rejoint. Donc salut à toi, mon pote. Donc Zetron qui avait arrêté MKWI pendant un petit bout de temps. C'est aussi qui a décidé de revenir. Donc après, voilà, c'était la petite info que j'avais à vous passer. Okay, donc Mizuka qui passe. Ok, un build qui arrive. Il n'y a pas de problème. Ok, c'était qui? Ah, c'était Zetron. Qui passe devant Titan, je t'aime avec un cœur, je crois que c'est Titan, je t'aime, enfin quelque chose comme ça. Ok, lui par contre il contre pas le pot. Ah, et je crois qu'il y a un troller dans cette salle. Ah, Braise, il est passé en roi bois. Ah, oui, c'est vrai, il a la barre blanche, donc il utilise la chaîne des CTGP. Et je crois que j'ai maladroitement pété Will Afloat, donc qui s'est fait target, donc désolé. Je n'ai pas besoin. À moins que... Oh, ok, c'était mon petit snipe, mais c'est Matt qui se le prend. Ah non, c'était Flo qui trollait en fait. Je me suis trompé, Flo qui trollait, et puis c'était encore Exodi qui est parti devant. C'était décidément, on a des gens avec un sacré bon run. Mais donc je me débarque cette verte, attends, on va s'arrêter, on sait jamais. Donc pour moi ça a fonctionné, et pour Braise, lui c'était le cas contraire. Je crois qu'il s'est fait sniper par Matt. On finira deuxième. Qu'il le veuille ou non. Et voilà. Donc, on attend que les autres finissent, donc là ça va être fini. Ah non. Ah c'est vrai, il y a Flo qui était qui faisait du reverse. Ah oui, ok. Ah donc on est parti au 9000, donc on est bien. Donc je pense que je vais faire une dernière map et vous faire une petite annonce. Ça va vous plaire. Donc on va terminer cette vidéo sur ce quartier Delfino en 150 CC. Donc là on est bien pour l'instant. Reste à voir la suite. Ok, donc on commence par un gros pétage de Wilson et Valet. Pas de soucis. Et on a 3 pistes rouges. Je ne vais pas les utiliser tout de suite, comme j'ai des connaissances qui sont autour de moi. Et ce serait méchant de ma part de les donner ces coups. Wow. Okay, là, franchement, on est... Ah, ok. J'ai raté ce que je voulais faire. Ça, c'était pour Akan. Ou Akan, je sais plus comment ça se dit. Bref. Le deuxième tour. On a 3 shrooms. Donc espérons qu'il n'y ait pas de choc, comme ça je vais pouvoir faire un double cut. Attends, j'ai... Ah, le pot. Oh, merci. Merci Zetro qui m'envoie dans mes shrooms. Ah, 3 shrooms. En avant le double cut. Et voilà, comme ça. Tout simplement. Une petite verte. Je vais la garder au cul et regardez pourquoi. Valet qui me rouge. Donc là c'est le troisième tour, c'est tout ou rien. Donc déjà on va pas foncer sur la verte de Mizuka, on ne sait jamais.
Ok. Je rate ce que je voulais faire. Mais bon, on aura peut-être un bon item pour cuter. Ok, non, on a un zap. Elle sera pour Matt. Il sera pour Matt. Oh non. Ok. Il reste encore un petit item là. Le choc qui tombe, non. Ah ah ah. Ok. Non, j'ai pas utilisé mon choc. Mince. Ok, là je me suis foiré. Je voulais pas en arriver à là, mais bon, ça me... Là, ça me fait chier, en fait, de finir à cette position-là. Mais bon, on va finir sur cette... sur ça, mais en fait, non, moi, j'ai pas envie. Je crois que je vais essayer de faire un petit peu de fun avec Flo. Ça va faire... ça va le faire plaisir, je pense. Parce qu'on avait fait ça, cette danse tout à l'heure, et... Ah bon. Qu'est-ce qu'il... Je pensais pouvoir faire le truc... Ah, il y a eu un lag-start et du coup, bah... Ah bah, je suis pas dernier, il y a un nouvel Nathan qui s'est fait déconnecter tout à l'heure. Donc, voilà. Donc, c'était les maps que j'avais à vous montrer. Maintenant, j'ai une petite annonce à vous faire. Donc, je vais retourner... Je vais aller dans le menu Wifi. Alors, c'est dans ma liste d'amis. Je vous montre mon CA, puisque... Pour vous faire l'annonce que je viens d'installer l'Open Host. Et pour les gens qui veulent m'ajouter, vous avez le CA devant vous, donc 3654 93 06 6001. Vous pouvez m'ajouter si vous voulez, moi ça m'est égal. Et une chose, je vais le préciser aussi, c'est seulement pour le WinPi. Et puisque le CT c'est une autre roster avec un autre club ami. Donc voilà. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et puis moi, bah, je vous dis à la prochaine. Allez, salut !